Les gars, l'heure est grave, mes cheveux ça va vraiment plus là. Ça fait quelques jours que je veux faire cette vidéo. Je vais me couper les cheveux en vidéo. Mais là, vraiment, je dois faire ça rapide, les gars. J'ai acheté sur Amazon des ciseaux. Ah, par contre, c'était vraiment des bâtards, ils livraient en longtemps. Ça fait une semaine que je l'ai commandé. Donc, un ciseau, je sais pas si je vais l'utiliser beaucoup. Bel emballage. Et le plus important, un ciseau cranté qui servira à désépaissir parce que j'ai les cheveux très épais. Donc, les gars, on va tout simplement se rendre dans ma salle de bain. Je vais faire un petit shampoing avant de commencer. J'ai à ma disposition une tondeuse avec quelques sabots. Donc, on va se démerder. J'espère faire mieux que Michou. Parce que Michou c'était vraiment une horreur. C'est une vieille tondeuse que j'ai depuis au moins 4 ans chez moi. On va l'utiliser et puis voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Donc du coup les gars, on se retrouve dans la salle de bain, c'est parti. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr les gars, on n'oublie pas. Ok les mecs, on se retrouve tout simplement dans ma salle de bain. Et je vous avouerai que je stresse un peu. Je vais vous présenter ce que j'ai fait venir. J'ai fait venir déjà ce miroir et celui-ci. C'est un peu le bordel, vous m'excuserez. J'ai mis un drap pour pas que les cheveux tombent dedans. Ensuite on a cette tondeuse, donc très très simple. C'est 3 sabots avec celui-ci. Donc on a un 3 mm, 5 mm, 7 mm et 9 mm avec un ciseau tout neuf et un ciseau à désépaissir avec, regardez bien, et bah un spray qui est normalement fait pour arroser les plantes, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va allumer cette caméra et puis on va mettre plusieurs angles de vue. Et on va commencer. Ok les gars, donc là on y va. C'est parti, on va commencer. Je vais regarder le même tuto que Michou avait vu. Je pense que c'est le meilleur, j'ai recherché pas mal de vidéos et c'est le meilleur. Ok, donc c'est parti. Déjà il dit premièrement prendre la tondeuse. Je stresse. Donc déjà ma démarcation. Pourquoi mon cœur il bat là? Vous m'expliquez là. Ok, c'est à peu près ça. Ok, voilà, de toute façon il me reste un mois si c'est loupé. Donc je m'en bats les couilles, hop. Parti. Les gars, je flippe. Vous pouvez pas savoir. Ok. C'est le truc et on va brancher ça. On prend le 7 mm comme ça, on a de la marge. Hein. Mais voilà, comme ça, si ça va pas, au moins j'ai de la marge. Oh les gars. Il est bizarre le sabot là. Ok, donc c'est parti. Allez. Pas grand chose qui est tombé. Hein. Ok, ça tombe un petit peu, mais il faut que j'aille un peu plus vite si je veux finir avant la tombée de la nuit, les gars. Wouh Wouh. Je crois que je coupe rien là. On reprend, juste ça fait des espèces de trucs chelous là. Ok, j'ai retiré un peu de cheveux quand même. On va reprendre. Ok, je vais passer aux 5 mm. Je fais un peu comme je veux, genre vraiment. Et les gars, pour l'instant, ça va. J'ai coupé, ouais, enfin... Je vais pas faire trop court, je vais faire à gris je pense hein, parce que vas-y ouais, à blanc on verra un autre jour. Mais du coup en fait cette tondeuse c'est vraiment de la merde. Ok les gars, donc là j'ai passé 8 ans à faire ça, là j'essaie de passer derrière, c'est chaud. Fouf, c'est pas foufou, hein. Ok. Bon, néanmoins, maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait, donc je vais réessayer de rattraper ce côté là et de faire un truc derrière là. Ok, donc je vais mettre un petit peu de ça. Je vais essayer de faire un bail avec le ciseau à désépaissir. Ouais, je désépaissis bien. Hein. Ça désépaissit très très bien. Hein.
Wesh, il y en a plein qui tombent quand même. Bon les gars, la caméra s'est arrêtée parce que ça a duré très longtemps. J'ai passé au total 2 heures à faire cette coupe les gars. Je sais pas si vous en rendez compte, mais 2 heures c'est beaucoup quand même. Généralement je passe 15 minutes chez le coiffeur. Et là, 2 putains d'heures à me tordre dans tous les sens pour pouvoir faire derrière, c'était chaud. Et vous êtes prêts à voir le résultat ou pas? Allez c'est parti. Ok les gars, on se retrouve quelques heures après pour la conclusion. Alors honnêtement, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Ça reste très technique, surtout quand on est seul pour faire derrière, c'est horrible les gars. J'ai pas voulu faire à blanc parce que si je me ratais, bah c'était mort de chez mort là. Mais du coup, voilà comment ça pourrait donner. En fait, je sais pas si on voit bien, mais du coup, il y a quand même quelques petits, voilà quoi, des petits trous, des petits trucs bizarres. Moi, je trouve que ça passe pour le confinement, honnêtement. Peut-être que je recouperai un petit peu sur le dessus là, parce que je trouve ça encore un peu trop long. Et peut-être des épaisseurs encore une fois. En tout cas les gars, si je dois vous donner un conseil, c'est de ne pas commencer à blanc. Parce que si vous commencez à blanc, vous êtes foutu. Vous pourrez pas faire demi-tour. Alors que là, si vous commencez à gris et que vous vous ratez, vous pouvez encore faire à blanc, etc. Surtout prenez des miroirs les gars. Ne jamais utiliser qu'un seul miroir si vous êtes tout seul, parce que pour derrière, vous allez galérer les gars. Notez ma coupe sur 10 dans les commentaires les gars. Et puis voilà, je pense qu'on en a assez vu pour aujourd'hui. Surtout moi, j'en peux plus les gars. Vraiment, je suis à bout, c'était très long. Bref, en tout cas les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Moi je vous laisse, c'était GX.